école fermée jeudi. Ah ouais? Bah non, on n'a pas ça. Hein. C'est quoi cette génération de fragiles, là? Ah ouais, établissement fermé. Mais je comprends pas comment on recherche des écoles fermées. Mais il pète des câbles, lui. Sylvie, c'est l'ami de Laura ou de toi à la base? C'est nos amis à tous les deux, en fait. Pas de grève jeudi? Non, c'est vendredi, je crois, la grève, non? Ben, je sais pas ce qu'il a déjà tout à l'heure. Je suis descendu, je suis sorti, je suis baissé ma chaise, je me suis levé de ma chaise et ben, il a filé comme un cinglé. Il est con. En tout cas, Libby, elle a pas de prof absent ou quoi que ce soit pour l'instant. Ouais, il y a grève le 19, mais bon, toujours grève de toute manière. Pour l'instant, on aura tous ses cours. Ah, alors voilà. Il s'est mis sur l'autre chaise. Ah. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Il a cru voir une dinde, il a eu méga peur. Mais là, c'est bon, la dinde a été bannie. Mais c'est moi, il y a des coupures de live là. Parce que ça vient de me marquer bienvenue sur le chat. Quoi? Alors, Pookie, j'aime pas du tout ton pseudo. Ça me fait penser à la musique de merde, là, de Aya Nakamura, là. Pookie dans le style ou je sais pas quoi. Ça me terrifie. Pas de bug. Ah ouais, je sais pas, moi j'ai eu mon... Ça m'a marqué bienvenue dans le chat. Pookie comme Poucave. Pookie Broster. Je sais même pas ça veut dire quoi. Pas de coupure non plus. Non, mais j'ai pas de perte de paquet, j'ai pas de problème de connexion, mais ça m'a marqué bienvenue dans le chat. Genre quoi? Il s'est réinstallé comme un cinglé, lui. Il est en mode, il y a un truc qui va pas. Je sais pas, il a l'air zinzin, là. La patte qui tombe comme ça, tu sais. Il a la patte en l'air. C'était une série, t'étais pas né. Ah bah voilà. Il sort la neige. Je sais pas, il est cinglé. Si tu avais l'âge de tes enfants, tu serais ami avec eux? C'est trop bizarre ta question. Ok.
Aujourd'hui, dans son live, Laura a eu le droit aux haineuses et aux casse-couilles. Je crois que c'est la journée. Quel prochain anniversaire chez vous? Bah, Chloé. Chloé, dans quelques jours. Chloé, samedi, on fait son anniversaire. Ouais, elle aura présenté très bien ce produit. C'est pas le temps qui fait, c'est le temps qui fait geler les sarraux, putain, mais grave. 8 ans, Chloé. Attends, je calcule. Attends. Oui, 8 ans, oui, c'est ça. Et vous les faites où? Elle va inviter les copines? Elle va le faire à l'école? Quel budget pour son cadeau? Tu penses quoi des dindes qui ont critiqué que tu fumais à côté de Libby en voiture? Bah, j'en pense que c'est pas leur gosse, et c'est pas leur vie, donc je m'en bats les couilles, et j'ai envie de dire... Alors... Accès, ah oui, parce que c'est en accès restreint. Attendez, regardez. Voilà, c'est plus en accès restreint. Ah, vous voyez pas ces messages de cette personne? C'est pour ça que je me demandais pourquoi il était pas encore banni. Merde, il m'a mis un gros carré dans le chat, je vois plus. Il est con, lui, ou quoi? Attends. Ah non, il y a toujours ce carré de merde, là. Donc. Pour l'anniversaire de Chloé, c'est pas compliqué. Je ne m'en occupe pas. C'est Laura qui s'en occupe. On a posé la question hier à la garderie. Je dis, bon, j'en sais rien, moi. C'est pas moi qui m'occupe de ça. De ce que je sais des informations en tant que père indigne et non impliqué dans l'anniversaire de sa fille, c'est Laura qui s'en occupe. Voilà. Et du coup, il s'avère que le samedi, on fait l'anniversaire du coup à la maison, avec la famille. Mes parents y viennent. Les parents de Laura aussi, en tout cas sa mère, son père, je sais pas, normalement oui, je pense. Donc ils viennent à la maison. Sa mère voudra emmener Chloé au resto chinois comme elle fait à chaque anniversaire d'un enfant. Je sais qu'il est prévu que Chloé le fasse à l'école aussi. Laura doit préparer un gâteau et tout ça, je crois, des bonbons. Et Chloé aussi va inviter des copines et copains à la maison, cette fois-ci, pas un truc dehors. À la maison pour faire son anniversaire mercredi prochain, je crois, ou je sais plus. Voilà, c'est les informations que j'ai. Moi, je vais me contenter d'aller acheter son cadeau. Mais non, c'est pas moi qui me suis occupé de ça. Tout ce que j'ai vu hier, c'est que Laura était sur son téléphone et elle regardait des décorations d'anniversaire, de licorne, de ci, de ça, de... Elle n'a rien d'autre à foutre que de dire ça, mais j'ai trouvé la réaction de Laura très bien. Ah, pour Action, ouais. Oui, bon, on trouve la même chose chez Action. Oui, bah oui, c'est sûr. Bah, en fait, vous voyez pas les commentaires, parce que moi, c'est marqué que les messages que j'ai lus sont émis d'un compte probable utilisateur contournant un bannissement restreint. Donc c'est pour ça que vous voyez pas les messages, parce que c'est quelqu'un qui a recréé un compte après avoir été banni. Moi aussi, je veux un anniversaire thème licorne. Oh, bah, il faut demander à quelqu'un d'autre. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Voilà. Parce qu'on a quand même eu le droit à Léo Mac Z87. Et juste après le bannissement, on a eu le droit à Louisma 75. Les toilettes vont être bouchées avec tant de caca. Non, il y a un siphon gros comme ça. T'inquiète, ça bouchera pas. Il y a de l'acide chlorhydrique, de la soude caustique aussi dedans, il y a tout ce qu'il faut.
Oh bordel, revoilà les pubs. Bah oui, t'es plus abonné. Bah t'as qu'à claquer la carte de crédit et à payer un abonnement. Il dit ça à sa mère, le gars. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h. Comme d'habitude, 21h, 22h. Pas une minute de plus. Pas déconner, hein. Je suis déjà pas beaucoup payé pour faire des lives. À quand le prochain live accompagné de l'orage? J'en sais rien. On aurait dit que t'avais fait un malaise. Ah, parce que j'étais comme ça. Non, en fait, j'ai sur ma petite pièce de centimes de francs, là, j'ai en fait de la colle époxy qui est collée depuis que j'ai refait la tuyauterie et j'essaie de l'enlever à chaque fois comme ça. J'ai un petit morceau de colle époxy collé dessus. J'ai eu la même pensée. Bah, vous voyez, ça vient de me redire, Adrien est en live. Ah, parce que j'étais comme ça. Non, non, non. Ça serait drôle. Comme ça, tu sais. Comme ça, vous pouvez voir ma calvitie. Ça va qu'il a parlé. T'étais en mode pause. Non, j'essayais d'enlever cette merde, là. J'ai presque réussi, hein. Ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Il m'a fait peur. Début de calvitie. Oh, bah, c'est pas que le début, hein. Ah, c'est bien entamé, hein. Bah, c'est comme ça. J'ai beaucoup hésité avec le Z Fold, mais finalement j'ai pris l'iPhone 15. Ah, j'aime pas l'iPhone. Ouais, non, Twitch, je vous dis, hein, au début, j'avais le même nombre d'abonnés, le même nombre de followers sur Twitch, le même nombre de spectateurs, voire moins. Mais avant que Twitch change ses conditions de rémunération des streamers, je gagnais 600-700 balles par mois sur Twitch. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Je vous ai déjà dit 200-300 balles grand max. Hein. Un malaise en live, ça s'est déjà vu. Oui. On aurait été bien gueulé pour appeler Laura à travers un écran. Bah, il y en a qui l'auraient contacté. Alors, il y a un compte qui vient d'arriver. Vous avez vu le pseudo. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Encore la même personne. S'il te plaît, fais attention aux poumons des enfants. Allez, hop là! Ah! Il est l'heure d'aller se faire enculer! Salut Lola!